Wesh les potes, c'est Soka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui les potes, je vais vous apprendre 5 secrets que vous pouvez faire sur Minecraft. Des secrets super cool, super stylés que vous pouvez faire en solo ou en multi comme vous voulez. Alors on commence tout de suite. Alors avant que la vidéo commence les potes, oui, je vous invite à lâcher le plus gros pouce bleu de votre vie. Abonnez-vous, partagez la vidéo et marquez un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et on commence tout de suite avec le premier secret. Alors pour le premier secret les potes, je vais vous apprendre à faire des tiroirs super réalistes. Et les potes, oui, on en a marre que dans nos maisons, il y a comme tiroir ça. Voilà, ça pour moi dans une cuisine ce n'est pas un tiroir. Et si vous êtes, si vous voulez build dans vos survies des grosses maisons modernes etc, cette vidéo est pour vous. Regardez, non, ce petit secret est pour vous. Alors on commence tout de suite, on va prendre des planches en chaîne sombre, on va prendre des carpettes blanches. Vous allez voir que c'est super stylé. On va prendre des portes, alors, sont les portes. On va prendre la porte en sapin qui va bien avec. Et bien évidemment des coffres, voilà des coffres. Et normalement on a tout ce qu'il faut pour ce petit secret. Alors on va creuser 2, 1, hop, 1, 2, 1, 2, voilà. Ensuite juste en dessous on va, bah attendez, on va juste remplacer de bois, etc, voilà. Ensuite là vous placez vos petites portes. Déjà là on a déjà le tiroir de fait. Et là on va mettre le coffre, on va mettre 1, 2, hop. Hop là, voilà, nice. On a deux coffres, voilà, deux grands coffres. Et ensuite ce que vous allez faire 1, 2, 1, 2, voilà. Ensuite on va combler tout ça. Hop, 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 hop. Là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors voilà, jusqu'ici, tout va bien les potes. Et ensuite nous allons placer les carpettes, les petites carpettes blanches. Alors hop là, hop là, hop, oula. Hop là, hop là. Ensuite on place les cartes blanches. Et déjà là, nous avons déjà nos premiers, déjà, oui, excusez-moi si ça... Ça sort un peu mais c'est normal, voilà hein. Nous avons déjà notre premier tiroir. Et déjà ça c'est déjà beaucoup plus moderne et beaucoup plus stylé. Vous sortez, vous mettez vos petits aliments à l'intérieur. On va mettre deux petites pommes cheat dedans, voilà, nice. Et ensuite regardez, ce n'est pas fini les potes, ce n'est pas fini. Ensuite on vous allez combler derrière parce que oui on voit le coffre derrière. Et vous allez monter. Alors hop 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 hop. Voilà, nice. Et franchement vous allez voir le rendu final, il est plutôt stylé. Et ensuite on va faire le deuxième tiroir, deux blocs au-dessus, 1, 2 et hop, 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 voilà. Ensuite, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que vous allez voir que ces deux blocs 1 et 2, vous allez les enlever et vous allez mettre plutôt des dalles en chaîne sombre. Vous allez bien, vous allez savoir pourquoi. Hop là, hop là. Et ensuite, vous placez vos portes. Alors attendez, comment on place ces portes là? Alors juste avant de placer les portes, alors attendez, nous allons juste placer de... Enfin, on va mettre le bloc à la même distance qu'ici parce que sinon pour poser les coffres, ça va être galère. Après, hop là, jusqu'ici, tout va bien, voilà. Ah non, comme ça, ça ne va pas marcher. Donc cela là, les deux blocs, vous les cassez et vous les placez juste au-dessus, en dessous, voilà. Et normalement, quand vous placez les portes, ça doit vous donner quelque chose de ce genre là. Et jusqu'ici, les potes, si ça vous fait ça, et ben ça veut dire que c'est good, voilà. Ensuite là, juste derrière là, vous cassez et vous placez vos petits coffres, hop là, et hop, hop. Hop là, voilà, nice. Et ensuite vous avez juste à compléter, vous faites un petit truc comme ça, voilà. Alors moi bien évidemment, moi je vous montre hein, je vais pas faire tout un truc etc. Et là vous avez juste à faire ça, hop 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 hop. Et voilà, après vous faites, après vous débrouillez, après vous faites parler vos talents d'architecte. Et vous faites un petit truc comme ça. Moi je vais faire un petit, voilà, moi je vais finir comme ça. Et regardez moi ça les potes, c'est déjà beaucoup mieux que dans nos cuisines. Déjà là la cuisine là elle est superbe. Vous faites comme ça, hop là, hop là, vous prenez vos petites choses, voilà, nice. Et après si c'est pas encore fini, vous prenez, hop là, hop là. Et voilà, vous prenez vos, des petites choses dans vos petits coffres. Voilà, vous prenez les petites épices, les petites viandes. Et vous faites un beau petit plat juste là. Oh là 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 là, il n'y a rien à la télé aujourd'hui. Et donc vous avez deviné, le deuxième, la deuxième chose que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est de faire un beau canapé super stylé que vous allez mettre juste en face de votre télé. Voilà, c'est fini les escaliers pour faire les chaises. Voilà, maintenant on passe à l'étape supérieure avec des minecarts. Alors c'est super simple, je pense même que c'est le plus facile que je vais vous apprendre aujourd'hui. Alors vous prenez n'importe quel bloc, hein, voilà. Voilà, vous faites, alors vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Déjà jusqu'ici tout va bien. Après jusqu'ici là vous allez prendre une raille et vous allez mettre votre minecart dessus, voilà. Et en fait il faut que le minecart bouge un peu pour qu'il soit bien au milieu. Et pour qu'il bouge, pour qu'il va bien au milieu, il faut juste que vous le poussez mais juste doucement. Voilà, juste là faut pas trop presser. Et ensuite vous pouvez casser la raille juste en dessous.
Une fois que c'est fait, et ben après rien de plus simple, hein. Vous prenez des dalles en quartz ou comme vous voulez, vous prenez des petits pistons, voilà, vous mettez juste derrière les petites dalles et ensuite vous les actionnez jusqu'à que le minecart pardon touche le canapé. Jusqu'ici tout va bien et ensuite vous replacez des pistons et vous refaites la même chose et normalement hop là et comme vous pouvez le voir, et ben vous avez votre sauna, votre petit canapé super style. Vous le posez là et voilà. Ensuite vous mettez là en train de vous regarder la télé ou alors vous mangez votre petit gâteau juste là tranquille, voilà. Oula. Pour le numéro 3 les potes, je vais vous apprendre à faire un armoire à vêtements super facile, je tiens à le préciser encore une fois. Et alors pour faire ce petit armoire, il vous faut déjà, moi ce que je vais prendre, moi personnellement je vais prendre encore des planches en chaîne sombre, je vais prendre encore des dalles de chaîne sombre encore et cette porte, je vais prendre cette porte en, non je vais plutôt prendre cette porte en chaîne sombre, voilà, les trois matériaux de bois réunis, voilà, nice. Ensuite ce que vous allez prendre des vêtements, voilà, moi je vais prendre en maille, hop, et attendez, juste mettre ça sur moi en attendant, et nice, et en jams, hop, et oula, hop, voilà, nice. Alors pour faire cette armoire déjà, il faut déjà que vous placez 4 planches, voilà, 1, 2, 1, 2, voilà, nice, ça vous en fait 4. Et ensuite, ce que vous allez, ah oui, il vous faut aussi des portes armures, j'allais l'oublier, alors je suis vraiment désolé, vous prenez des portes armures, voilà. Ensuite avec ces fameuses portes armures, vous allez les placer comme ça, hop là, vous les mettez bien comme ça, nice, voilà, nice. Ensuite vous prenez vos armures que vous avez déjà présélectionnées, hop, et vous les, oula, non, toi tu me rends ça s'il te plaît, merci, et vous leur donnez tout ça, alors hop, et hop, voilà. Et pour, vous savez quoi, pour les deux, je vais mettre en jumps. Voilà, j'ai la flemme de prendre la maille, voilà, nice. Jusqu'ici, tout va bien, ça, on en a plus besoin. Hop, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les dalles, vous prenez hop, et vous les mettez comme ça. Et ici, vous pouvez recasser, et vous prenez vos portes, vous mettez bien en haut, et faites hop là. Oula, non. Alors, attendez, là, je me suis trompé. Hop, voilà, nice. C'est comme ça que ça doit se mettre, et ensuite là vous pouvez faire la même chose ici et voilà, là vous avez votre petite armoire, hop là c'est vraiment design, hein. Après moi je kiffe personnellement, ici vous pouvez ouvrir mais bon moi je préfère plutôt ici, après voilà, après chacun son goût, moi je kiffe. Et après dites moi en commentaire comment vous notez sur combien cette armoire, moi perso je le note sur 8/10. Numéro 4, je vais vous apprendre à faire un distributeur d'eau super easy, super facile, super réaliste tout simplement. Alors ce que vous aurez besoin, c'est très simple, hein, vous aurez juste besoin de blocs de quartz, de boutons et de... Voilà, vous prenez soit la glace compacte, moi je prends de la glace normale. Vous aurez aussi besoin de distributeur, vous allez prendre un distributeur et moi je vais prendre une fiole d'eau. Voilà, je vais prendre une petite fiole d'eau, voilà, tout simplement. Ensuite, pour faire le distributeur d'eau, vous prenez votre bloc de quartz, vous mettez le bouton dessus et vous mettez la glace dessus. Voilà, ça pour moi c'est un distributeur et au-dessus, on va mettre une petite carpette blanche pour faire... style, voilà, comme ça c'est beaucoup mieux, voilà, pour ma part, moi je trouve beaucoup mieux que ça soit comme ça. Ensuite là, hop là, vous creusez en dessous, vous mettez votre petit distributeur, oula non, voilà, vous le mettez plutôt comme ça, et ensuite vous mettez vos fioles d'eau, moi j'en ai qu'une, voilà, malheureusement, attends, on va juste reboucher, hop là, voilà, nice, vous mettez votre bloc d'herbe, et jusqu'ici, c'est bon, vous avez votre distributeur d'eau, regardez, quand on appuie sur le bouton, et ben l'eau sort, et ça, je trouve ça super stylé, quand vous avez une petite soif, voilà, vous buvez votre eau, et voilà, après, franchement, moi, c'est le distributeur d'eau le plus facile que je vous ai jamais présenté. Cinquième et dernière chose que vous pouvez faire, alors ça, ce secret là est surtout fait pour les FK ou alors si vous n'avez pas confiance de votre pote en survie dans la même game, je vous conseille ce petit secret là. Alors ça les potes, ça concerne le coffre, vous pouvez le cacher de plusieurs manières et celle-là pour moi est la plus originale, vous allez voir. Alors vous avez juste, vous devez la faire à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe.
vous cassez de deux, vous placez votre petit coffre juste là. Ensuite là, juste là, là, vous faites une petite, vous mettez un petit seau d'eau, voilà. Ensuite là, vous avez besoin d'une houe, vous faites 1, 2, et vous placez votre terre juste au-dessous du coffre. Et là, c'est bon, le tour est joué. Vous avez juste à faire hop, hop, vous placez vos petites graines, sauf à une, voilà. Faut bien que ça soit cohérent. Et regardez-moi ça, vous pouvez, entre les deux, prendre le coffre qu'il y a et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et ça, pour moi, je trouve ça super méga stylé. Je l'ai fait plus d'une fois en FK, je vous le rassure. Et franchement, il est 100% invisible. Qui pourrait voir ça? Franchement, dites-moi. En plus, c'est sombre et tout. Franchement, moi, je kiffe. Donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre si ça t'a plu. Abonne-toi, lâche un like, partage la vidéo, commente la vidéo, fais tout ce que tu veux, mais like cette vidéo, voilà. Alors les potes, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les potes.